pas des losers qui sont dans la rue. C'est gens qui n'ont pas eu de chance du tout. Et qui n'ont pas eu la main tendue au bon, au bon endroit au bon moment quoi. Donc, euh, toujours dur d'entendre des critiques des gens dans la rue. Même de dire, euh, t'es un clochard, tu vois, c'est péjoratif. Toi aussi t'es un clochard, demain si ça se trouve, <laughs> tu vois. Comment ça va Douli Ça va et loup Ça va, c'est la tournée en ce moment C'est la tournée, ça fait, ça fait pas mal de dates. Ouais. Ah C'est chouette, chouette d'aller voir les gens. Là, on a fait la Corse. Euh, bien la Corse. Ils sont chouettes les Corse. Les routes corse, par contre... Euh... Compliquées. Ouais. <laughs> faut, faut pas être malade en voiture. Quoi. Et du coup, toi, j'ai cru voir que tu étais en fait d'une famille d'artistes, donc ça fait longtemps que tu veux faire ça. Ouais, maman m'avait mis dans une école de, de théâtre. Euh... Enfin, d'une école où on faisait que du théâtre quasiment. Il n'y avait pas trop de cours <laughs> d'école. On travaillait jusqu'à midi. Et après, on faisait que du théâtre. Donc, euh, ma sœur a pas du tout fait ça, mais, euh, mais, euh, mais on était un peu là-dedans, ouais. Mais ils n'en ont jamais vraiment vécu, tu vois. Mmh. Euh, C'était un peu les, les pa leur passion, et ils ont fait graphiste pour euh, nous nourrir. Donc, euh, est ça. Ils ont fait un métier qu'ils n'avaient pas forcément choisi pour, euh, pour nous faire bouffer, quoi. Le soir, mon père, il... il jouait tous les soirs de la guitare. Et ma mère, j'ai toujours vu peindre. Donc euh, non, c'est cool, mais c'est vrai que c'est frustrant. Ma mère, elle elle, aurait pu... elle, elle fait toujours, elle fait des expos et tout, hein, mais euh, t'as envie que ça pète, quoi. Toi, t'as une très belle phrase. Tu dis que euh, grâce à leur amour, vous vous sentiez aussi riche que les autres. Ouais, ça c'est vrai. Ils ont été très très forts, hein, parce que je sais pas comment ils ont fait, parce qu'on avait vraiment, <laughs> on avait vraiment pas du tout d'oseille, et euh, ils sont vraiment bien démerdés pour euh, pour, pour nous faire sentir aussi riches. On n'a jamais souffert d'être pauvre, tu vois. Oui, on n'allait pas en vacances et tout, tu vois. Euh, moi, j'avais pas de chambre, enfin, tu vois, le ski et tout ça, tu. Non. Mais on ne se sentait pas en décalage avec les gens. Alors qu'on vivait dans des quartiers, tu vois, on vivait dans un tout petit truc, mais c'est un peu chez des gens qui avaient du blé, quoi. Les quartiers euh, vers Notre-Dame et tout, il y a du fric, quoi. Donc, euh, on aurait pu se sentir à l'aise, mais pas du tout. C'est là où ils sont très, très forts. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait. Toi, tu sentais pas un décalage avec tes camarades de classe Non, limite, euh, j'étais contente parfois de ne pas avoir de chambre. Mais <laughs> oui, parce que, tu vois, par exemple, tu sais quand t'avais des correspondants qui venaient d'un autre pays, mmh. t'étais obligé de te le colter pendant une semaine, le mec, et euh, t'avais pas forcément envie, quoi, tu vois. Et c'est cool quand tu vas chez lui, mais lui, quand vient, oh. il vient chez toi, après, c'est relou. Et euh, du coup, moi, mes correspondants allaient chez quelqu'un d'autre. Je faisais que les trucs cool, tu vois, je dînais avec eux et tout après je disais salut à demain. <laughs> en vrai c'est sympa d'avoir un correspondant chez soi. Oui, mais ça dépend de quel correspondant. Tu ne choisis pas forcément ton correspondant. <laughs> J'ai des correspondants un peu chelous. Hein. C'est vrai, t'as ouais, des ouais, souvenirs. Ouais, Ils étaient un peu weird. Hein. <laughs> Je te jure, vraiment. À chaque fois. Oh putain, c'était vrai, ça, j'avais oublié. À chaque fois, j'avais des correspondants, mais le plus baisé, c'était pour moi. Ma... <laughs> mais vraiment. Hein. Tu sais, où genre, tout le monde est dans la ville un peu. Et moi, on me disait, des... bon, bah, ben, au revoir, Douli. Et genre, on partait. On allait. De... Tu sais, on traversait des bois et tout. J'arrivais dans une maison isolée, enfin, tu sais, avec des parents un peu chelous. Et tout. Non, non, à chaque fois j'ai eu des. Euh, toujours des ambiances cheloues avec les correspondants. C'était vraiment chelou. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y, y a eu des bails très bizarres. Où vraiment tu te sens seul, t'es là, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là, <laughs> Ouais, non. Non, donc, il euh, y a des avantages, tu vois, à être pauvre, de temps en temps. Mais euh, non, nous on s'est toujours senti euh, vraiment euh, aimé Et je crois que c'est le principal, quoi. Le reste, on s'en fout un peu. Alors après, oui, les fringues et tout, ma mère, elle est dans des trucs, je sais plus comment. C'était des trucs où allais avec un sac, tu sais, des sacs à carreaux, là. T'y allais, tu, tu prenais ce que tu voulais et tu donnais ce que tu pouvais, en fait. Okay. Mais euh, comme c'était dans un quartier de Bourges, euh, du coup, si tu veux, les gens, ils mettaient un polo euh, Kenzo, tu vois, et ils le dégageaient, le truc. Donc, on se retrouvait avec des fringues un peu cool, mais euh, c'était quand même des fringues de seconde main ou Emmaüs ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, oui, j'ai gardé une séquelle de ça, c'est-à-dire que j'achète énormément de fringues. Je me suis un peu calmée mais en vrai, euh, j'ai de quoi habiller un village entier, quoi. <laughs> euh, différemment tous les jours. <laughs> donc, euh, donc, oui, ça, ça, tu peux en souffrir un peu. C'est pour ça que moi, euh, le, en vrai, l'uniforme le, le, à l'école, je ne trouve pas ça une mauvaise idée. Parce que je trouve ça dommage que tu puisses te sentir gêné euh, de ton apparence à l'école. Ce n'est pas le sujet du, de l'endroit, quoi. On devrait tous se sentir. Euh, un peu euh, égaux, mais du coup que, tu vois il faudrait que les, les uniformes soient payés par l'État quoi, tu vois, que même les gens qui n'ont pas de ça, ils puissent euh, se fournir l'uniforme, mais je trouve ça triste qu'il y ait cette vraie différence en plus, j'ai l'impression que maintenant c'est encore pire tu vois, euh, l'apparence quoi, y a vraiment ce truc de... ouais, les gens jugent entre eux les jeunes et tout ouais y a, y a, comme il y a tellement de marques il y a tellement de trucs a... Puis comme il y a les réseaux tu vois euh, tu veux avoir le truc euh, comme ça je trouve que l'uniforme, c'est une bonne solution. Moi, j'aurais kiffé avoir l'uniforme à l'école. Ça m'a enlevé deux trois, deux, trois situations où j'étais un peu, un peu deg de ne de pas avoir un, des Nike. <laughs> tu vois Et euh, justement, tu, tu racontes souvent qu'à qu 14 ans, tu es allé vivre seul. Est-ce que tu as parfois le sentiment d'avoir grandi trop vite Euh. Oui. Oui. Oui et non. J'ai fait suffisamment de conneries pour euh, trois générations. Donc, euh, non. Oui et non. Oui, pas... il y a certaines phases de la vie que je n'ai pas eues, forcément. Mais, euh, mais est ce que ça me manque, je ne suis pas certaine. Genre l'innocence de l'enfance. Euh... Oui, mais l'innocence, je l'ai perdue avant de, avant de partir vivre <laughs> seule. <laughs> en fait, j'avais pas mal de potes plus âgés que moi. Et du coup, euh, j'étais un peu. Euh... Un peu banni de l'innocence assez rapidement, <laughs> mais euh, oui, euh... oui, parfois je vois des des, des, des enfants, de... enfin des, oui des ados de 14 ans et je me dis putain, ouais, je vais seul à ce stage-là. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça se voyait pas vraiment, j'avais 14 ans, en vrai, mais physiquement, quoi, tu vois. On m'a jamais demandé, je sortais tous les soirs en boîte de nuit, on m'a jamais demandé mes... mes papiers, tu vois. Dans cette vie, il y a eu, euh, du coup, cet appart où, où tu dis que tu accueillais souvent des personnes euh, SDF, etc. Est-ce que c'est le fait, justement, d'avoir euh, manqué d'argent, de savoir ce que c'était, d'avoir froid, qui t'a rendu euh, aussi solidaire des gens qui étaient dans le besoin je sais pas, euh, je crois pas l'avoir fait dans une démarche de solidarité. <laughs> non, mais vraiment. C'est vrai. Non, non, je crois vraiment que c'était un, un concours de circonstance quoi. Y en a un qui est passé chez moi, il était en galère. Je te dis, ben bah, dors à la maison. Mais enfin, tu vois, c'était plus, euh, euh, c'était un peu comme des potes de la rue quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc c'était euh, plus une espèce d'évidence de ah oui, ben bah, non, tu vas pas rester en galère. Enfin, tu vois. Mais c'était pas genre ah, allez, je fais sauver des, des STF ». Ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Mais même ce côté, euh, c'était des potes de la rue, tu vois. T'as des gens qui sont complètement indifférents, qui leur passent à côté. Non, toi, tu oui, fais, t'as je... le lien, quoi. Non, oui, mais j'aimais bien m'asseoir avec les, les mecs dans la rue et discuter avec eux pendant des heures, et tout. même quand il neigeait et tout. Je m'asseyais, on fumait des clopes, parce qu'ils étaient super intéressants. C'était des mecs. Je me souviens d'un mec, Momo. Euh, et ben, lui, je l'ai connu. Genre, ça devait être son premier jour de rue. Et euh, il avait un petit costard-cravate et tout. Il était tout chic. Et je crois qu'il était genre mathématicien. Il y avait une femme. Euh, et euh, je suis pas sûre qu'il avait des enfants. Mais bon, bref, il était hyper intelligent. Il était drôle et tout, quoi. On, on, on passait des super moments. Et je pensais qu'il allait rester 15 jours dans la rue, tu vois. Ou un mois, qu'il allait s'en sortir. Et, et puis, je l'ai vu se dégratter euh, d'année en année, tu vois. C'était triste. À la fin, je pouvais même plus aller discuter avec lui parce qu'il était trop fait, quoi. Mais... Euh, mais du coup, oui, il y, y en a que ça abîme vraiment. Puis, euh, mon, moi, les mecs que j'ai accueillis à la maison, c'était plus des marginaux, tu sais, qui ont pas forcément envie de s'intégrer à la société. Ce pas des mecs euh, comme Momo, par exemple, qui, qui avaient euh, tout et qui ont tout perdu, tu vois. Euh, moi, les mecs qui vivaient chez moi, c'était plus des mecs euh, qui, euh, qui vivent en camion, euh, qui, euh, qui ont un chien et qui sont bien, finalement, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais bien dehors, tu vois, mais qui. Euh, qui ne se voient pas dans un taf normal, tu vois. Donc je ne sais pas, j'ai des nouvelles d'eux, hein, de temps en temps. Et, et ça me fait toujours plaisir. Mais ils n'ont pas lâché euh, cette vie. C'était un choix de leur part pour ceux que tu as accueillis, ouais Ouais, pas tous, mais, euh, mais ouais, certains, ouais. Et par rapport à Momo, il t'a expliqué justement qu'est-ce qui a fait que euh, sa vie a basculé Mais c'est toujours le schéma classique. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'indigence. Parce que c'est un peu le schéma, genre... Euh, euh, tu perds ton emploi, euh, ta femme te dégage, et, euh, et, et si tu pas de potes et tout, tu vois, tu vas squatter de 15 jours chez un pote, et puis après il te dit, bon, ben là, ce serait sympa de partir, et puis si tu pas beaucoup d'amis, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est un peu souvent les mêmes schémas, quoi. Après, tu te mets un peu à picoler, et puis. Et puis, y a ça va vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. faut avoir des bons amis. Sur ces conversations que tu avais justement avec euh, les personnes que tu accueilles à la maison, qu'est-ce qui te plaisait dans leur. Euh... Mode de vie marginal, parce que je suppose que si tu échangeais autant avec eux, si tu passais du temps avec eux, c'est que ça te plaisait aussi leur façon de voir la société euh... Oui, alors quand t'as 14 ans, ça te plaît forcément, quoi. Tu sais, c'est fuck le système. Mais ouais, c'est génial. Euh, après, les mecs dans la rue, Steve Momo, non, je trouvais ça passionnant. Euh... Non, et puis il y avait quand même ce truc, moi, dans ma famille, ils ont toujours aidé pas mal les autres et tout. Donc, euh, si tu veux, oui. Euh... Euh, J'aimais passer du temps avec eux parce que tu les sens très seuls, quoi. C'est. Euh, euh, la vraie solitude. Moi, j'adore être seule. J'adore vivre seule. J'adore être seule. Mais la vraie solitude, je ne l'ai jamais connue. Et enfin, si je l'ai connue ponctuellement, tu vois, genre sur un mois, euh, où tu es tout seul, par exemple, dans un pays lointain et tu n'as pas de repère. bon, bah, moi, je l'ai très, très mal vécu. Enfin, si tu veux, tu trouves après toujours des gens sur la route et tout ça. Mais je me suis dit, sur euh, des 3-4 jours, je dis là, là, ce que je vis là, il y a des gens qui le vivent toute l'année et la vraie solitude c'est très, très dur quand tu peux pas échanger. Tu vois, je j'ai jamais vu de psy parce que j'ai énormément d'amis, du coup c'est eux qui bouffent. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est très dur d'être seul. Donc euh, cette solitude, oui. Quand je... Tu vois, parfois là, j'aimerais, je suis tout le temps dans le speed, mais il y a des mecs qui, qui ont l'air sympas dans la rue là et qui sont en galère dans leur tente et tout. J'ai envie de m'arrêter. J'ai pas le temps, là, mais, euh, mais ça me donne envie vraiment de m'arrêter, de discuter avec eux. Ils ont des vies extraordinaires, souvent. Ils ont fait mille trucs, ils ont fait mille métiers et tout. Très dur d'entendre des gens juger ces gens-là, parce qu'en vrai, euh, c'est juste une histoire de chance et de porte ouverte, quoi. Euh, c'est pas des losers qui sont dans la rue. C'est des gens qui n'ont pas eu de chance, tout Et qui n'ont pas eu la main tendue au bon, au bon endroit au bon moment, quoi. Donc... Euh, Toujours dur d'entendre des critiques des gens dans la rue. Même de dire, C'est euh, un clochard, tu vois, c'est péjoratif. Toi aussi, t'es un clochard. Demain, si ça se trouve. <laughs> tu vois. Parfois, t'aimerais, mais tu peux pas euh, dire à tout le monde de Viens prendre une douche à la maison. Mais t'aimerais, parfois. Putain, tu me regardes avec des yeux, j'ai l'impression que tu vas chialer. <laughs> mais non, je vais pas chialer, mais je suis, je suis dans ce que tu dis, je suis dans l'ambiance. <laughs> Il manquait une petite musique. Ouais, mais on va la rajouter Un au montage. Plan... <rire> <Un> <rire> <petit> <rire> Sauf que ça ne pas marre derrière. <laughs> non, mais c'est touchant parce que tu vois, il y, y a peu de gens qui ont cette considération-là et qui ont cette pensée-là. Souvent, il y a ce truc où vraiment, on, on avance dans nos vies, on est indifférent. Et c'est pour ça que je suis content d'en parler avec toi parce qu'il euh, y a quand même cette anecdote où effectivement, pendant plusieurs années de ta vie, tu avais euh, ce lien-là qui te semblait important à, à créer, à souder, quoi. Ouais. Non, ce que je trouve toujours cool, c'est si tu peux pas donner d'oseille ou quoi, faire un petit sourire et, et dis bonne journée, quoi. Tu vois, juste justement ce dont tu parles, quoi. D'avoir la sensation d'être considéré juste euh, deux secondes, quoi. C'était pas genre juste euh, une poubelle par terre, quoi. Ça, ça fait du bien à tous les deux, en fait, quoi. Attends, ça te en vrai, le moral Rendre heureux quelqu'un, je crois que c'est encore plus plaisant de rendre heureux quelqu'un de se rendre heureux soi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, quand tu fais plaisir à quelqu'un... Des fois, ça te... Parfois, ça te nourrit encore plus que d'acheter un, un truc ou de te faire kiffer tout seul. Il une espèce de satisfaction euh, différente. C'est un shoot sur le long terme, je trouve. Alors que l'achat, par exemple, c'est un shoot immédiat. Mais tu kiffes pas vraiment euh, complètement. Là... <laughs> tu me refais encore les yeux. <laughs> non, non, mais. est-ce est Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé justement de d'être attristé parce que tu t'es senti un peu égoïste ou as senti que t'avais pas forcément ce temps-là à accorder. Ouais, mais même avec mes proches, hein. enfin, là tu vois, je ne vois plus, plus personne, enfin, c'est compliqué de voir des gens et même d'être là pour euh, ma famille ou quoi. Euh, oui, ouais, ouais, bien sûr, mais tu as toujours envie de, de faire plus, hein, mais... mais tu dis toujours demain, demain, mais euh, je vais y arriver hein, à un moment donné. On a eu, je vais prendre un mois et puis je vais faire que ça. Tu vas prendre une coupure dans ton emploi du temps. Ouais. J'aimerais qu'on qu parle un peu de, de ta vie justement avant le stand-up, des métiers que tu as pu faire. Parce que j'ai notamment vu que tu as lancé une marque de vêtements. D'OULI-M. Ouais. D'OULI-M, chérie. Incroyable. Ouais, putain, t'es fort. Oui, euh, c'était pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimais bien créer des modèles, mais, euh, mais ça me saoulait de coudre. Donc, euh, du coup, j'ai cousu, j'ai cousu, j'ai cousu. Et au bout d'un moment, j'ai dit j'arrête, j'en ai marre de coudre. Donc, j'ai dit, soit j'embauche quelqu'un, soit j'arrête, quoi. Donc, j'ai arrêté. Mais euh, c'était chouette. Ben, euh, quand j'étais petite, euh, un, de mes, un de mes gros cadeaux que j'ai eu, c'était une machine à coudre. C'est stylé. Ouais. Et euh, du coup, bah, vu qu'on n'avait pas d'oseille pour, pour avoir des freins, je me suis dit, je vais les fabriquer. Donc, j'allais au marché Saint-Pierre et j'allais acheter des tissus. Et euh, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et j'allais acheter des tissus et, et je me fabriquais des futes et tout. Des jupes, euh, des conneries. Euh, c'était pas toujours un succès, <laughs> mais euh, mais ouais, ouais, j'adorais ça. C'est une bonne philosophie de vie, ça. Si euh, t'as pas les moyens de d'acheter des fringues, crée les toi-même. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est stylé. <laughs> ouais, c'est comme les pompes et tout ça quand elles étaient trop vieilles ou quand elles étaient moches. J'achetais des bombes et je les taguais. Et, euh, et c'était pas mal. Hein. Ça donnait un bon style en vrai. C'est le système D. Ouais. Et parfois, je me dis que j'étais mieux habillée quand je galérais à trouver des trucs <laughs> qu'une fois que t'as tout. As... Tu sais plus. Alors que quand ça agite ta curiosité, ton imagination, en vrai, t'es plus es plus douée. Mais donc, tu disais, là, euh, t'achètes plein de fringues, t'as créé ta marque. En fait, la mode, c'est vraiment un... une passion aussi à côté. J'adore ça, ouais. C'est pas forcément flagrant là, mais, mais... c'est le look sport. Le look de vraiment, qu'est-ce que je vais me foutre sur le cul <laughs> euh... Mais oui, oui, j'adore ça. J'adore les fringues. Je me suis calmée, hein. mais parce que là, euh... enfin vraiment, en plus à Paris, en vrai, euh... j'ai beaucoup acheté de fringues quand j'habitais en Espagne, mais euh... parce que là-bas, tu peux t'habiller un peu n'importe comment, tout le monde s'en fout. Et il euh, y a ce truc aussi de chaleur, quoi, que ce concept que nous n'avons pas ici. On sait pas ce <laughs> Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc, du coup, c'est restreint. quoi. Après, pour être habillé chic en hiver, il faut vraiment se faire chier. quoi. Et ça coûte une burne. Parce qu'un long manteau chic, blinde, des bottes chic, blinde, tout est blind. Faut... Et puis, ça donne une espèce de look où il faut que tout aille ensemble. C'est chiant. En fait, d'être classe l'hiver, c'est chiant. Ça, et ça coûte du blé. Donc en hiver, vraiment, j'ai un style éclaté. Mais <laughs> <laughs> vraiment. Et ça ressemble à quoi d'Ouliem Bah, euh, c'était surtout des... Alors, je faisais beaucoup de sacs. Okay. Je faisais des t-shirts aussi qui étaient en deux parties. Et t'achetais que les devants ou les derrière. Et tu faisais ton t-shirt euh, dans à dire. la boutique. Bah, C'est-à-dire que c'était des t-shirts... Des... Tu vois, c'était des... Euh... T'avais avais genre euh, soit un bouton pression là. Soit avec des lacets. Et donc, tu le devant et le derrière, qui allaient ensemble ou pas, tu vois. Et tu pouvais les attacher ensemble. Et donc, tu créais ton t-shirt, toi-même. Et tu disais dans la boutique, c'était. Tu une boutique ou c'était lié non, à Je, je vendais euh, dans des boutiques. Il y en avait une rue du Roi de Sicile qui n'existe plus. J'ai vendu en Belgique aussi pour, euh, pour, des, euh, pour des boutiques d'enfants. Je faisais des petits sacs pour le tissu, pour les, pour les linges et tout. C'est j'aimais bien. Et j'avais une brodeuse. Et donc, je brodais aussi. Attends, il y avait du matos. Bon, c'est stylé, hein? <laughs> ouais, ouais. Mais euh, au bout d'un moment, flemme de coudre, quoi. Dans ton spectacle, il y a un thème qui revient et qui est assez euh, marquant c'est le thème des addictions. Ouais. Et euh, toi, tu dis que le plus compliqué durant cette période où tu as été euh, addict à l'héroïne, c'était euh, la dépendance physique. Hmm. Elle consistait en quoi exactement euh, La dépendance, bah, c'est ton corps qui te demande de, de la drogue, quoi. Tu peux rien vraiment faire sans quoi. C'est dur à expliquer le manque physique, mais c'est un cauchemar. Mais euh, mais euh, t'as mal partout, mais partout partout. Je sais pas, tu prends la pire grippe et tu l'amplifies fois mille, voilà. Et ensuite, euh, bah t'es très énervé à l'intérieur. Enfin, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment tout. Toutes les pires sensations, tu les mets dans un bol, tu les mélanges et ça s'appelle le manque. Voilà. Mais, euh... Mais oui, du coup, c'est l'horreur parce qu'en fait, ton cerveau, il a envie d'arrêter et ton corps te dit non. Donc, c'est ça qui est très dur sur les addictions physiques. Je pense que c'est un peu le cas aussi pour les alcooliques. Il euh, n'y a pas tant de drogues avec cette addiction-là, quoi. Mais euh, oui, oui. Ça veut dire que toi, tu as eu ces, ces périodes où vraiment, tu, tu voulais arrêter, mais tu étais obligé pour te sentir normal ouais. de, de consommer. Ouais, bah tu fais bien de dire ça, parce que c'est ça qui est terrible dans ce produit-là, c'est qu'en fait, à la fin, euh, c'est comme un alcoolique, au final, il a besoin de tant d'alcool pour être juste normal. Tu vois, euh, là, tu as besoin de tant de, de produits pour être juste normal. Tu même plus défoncé. C'est-à-dire que pendant euh, des mois et des mois et des mois, tu peux juste prendre 2 grammes d'héroïne et ne pas être défoncé. Juste être en prendre pour être normal. Je me souviens, je prenais le métro et je me disais, putain, je regardais les gens. Alors que dans le métro, ils ont vraiment l'air de se faire chier, les gens, il n'y a pas de fun, tu vois. Eh bien, je les enviais. J'étais là, putain, mec, juste pour mettre un slip, tu besoin de rien, quoi. C'est ce truc où, as, en fait, tu as besoin d'un produit pour être normal. Très juste euh, réflexion, mon beau. <laughs> Merci. <rire> et, euh, et, et tu dis que tes proches étaient même pas forcément au courant en plus Non, non. non bah, euh, sur la fin, ça se voyait vraiment, mais, euh, mais là, je voyais plus personne. Donc, euh, mais j'ai bossé euh, sur quatre ans, j'ai bossé trois ans et demi, quoi. Tu vois Les six derniers mois, c'est parti en couille. Mais, euh, sinon, oui, euh, ça se voyait pas. En plus j'avais des yeux encore plus bleus parce que euh, t'as pas de pupille quand, quand tu es défoncé aux, opi aux opioïdes, donc euh, aux opiacés. Donc vraiment euh, j'avais que des compliments. <laughs> donc euh, non, ça se voyait pas spécialement. puisqu'en vrai du coup je te dis tu es obligé de prendre du produit pour être normal en fait. Donc euh, t’es même plus défoncé quoi. Et tu parlais de, de ces six derniers mois justement. Euh... Avant ça, on a parlé de la solitude. Est-ce que tu l'as ressentie durant ces six mois Vu que tu ne voyais plus personne. Oui, mais... non, mais là, je ne sentais plus rien. Non, <laughs> non, non, je... bah, non là, tu es, enfin, es très, très déconnecté. Donc là, tu ne sens plus vraiment grand-chose. Non, 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 mais euh, peut-être euh, ce qui a été dur, c'est quand j'ai arrêté, parce que personne n'était au courant, quand j'ai arrêté, j'ai dit aux gens, j'ai arrêté, au fait, j'étais reno pendant quatre ans. Et en fait, là, j'ai eu des réactions très négatives. Et c'est là que je me suis rendu compte du jugement qu'il y avait sur, sur ce produit. Parce que ces gens-là m'ont fréquenté pendant 4 ans, sans le savoir. Ça allait très bien. Une fois qu'ils l'ont su, leur regard a changé, alors que rien n'avait changé. C'est Donc... quoi les réactions Il oh, y a du rejet, quoi. Vraiment, de la peur. Je pense que le rejet, souvent, est lié à la peur. Mais euh... Mais, euh... Mais ouais, ouais, ouais. Des réactions très négatives. Ou tu vois, tu. Après les gens ils imaginent des trucs alors c'est pas quelqu'un forcément différent quoi quand t'en prends quoi. Enfin moi j'ai jamais j'ai jamais volé euh, des proches tu vois j'ai jamais j'ai toujours bossé pour avoir mon truc c'est pas une c'est pas c'est pas, pas ça qui te rend mauvais quoi tu vois donc euh, donc oui oui euh, ça c'était dur c'est là que je me suis rendu compte de de, de, de la violence du jugement euh, sur ça quoi parce qu'en plus tu le dis alors que t'en prends plus il y a quand même un jugement. Donc, euh, si tu le dis en reprenant, c'est cata quoi. C'était des réactions de gens très proches que tu as écarté de ta vie ou Oui, euh, non, des gens qui m'ont vu, euh, bah, c'était des potes quoi, tu vois. Et euh, ouais, des potes que je ne vois plus du tout. <laughs> mais euh, mais à, à l'inverse, il y en a, les trois quarts sont restés et, euh, et bien quoi, tu vois. J'ai l'impression que même l'amour de ta famille est resté présent. Ouais, toujours. Ouais, ouais. mais non plus ça y pas. Donc. Euh... Mais oui, oui, euh, ils sont parfaits. <laughs> Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que depuis jeune, tu avais ce, ce rapport justement aux, aux choses qu'on peut appeler des vices, des dangers, etc. Euh, ça, vraiment, je pense que c'est une nature. Euh, ça s'explique pas vraiment. Parce que ma sœur est pas du tout comme ça. Euh, non, non. Je... C'est des expériences. <laughs> Moi, c'est vrai, tu me dis, c'est un peu interdit c'est pas l'interdit qui m'attire hein. c'est l'expérience quoi donc euh, tu me diras euh, la cocaïne et l'héroïne c'était euh, vraiment en vente en pharmacie il euh, y, y a quoi il y a 100 ans donc euh, tu vois l'interdit, le pas interdit ça n'a pas vraiment de sens y a des choses qui s'interdisent du jour au lendemain qui redeviennent légales du jour au lendemain tu sais pas pourquoi euh, donc non c'est plus les expériences j'ai toujours eu envie personne ne m'a jamais dit euh, mais si, vas-y, goûte, tu vas voir, ça va être génial. C'est toujours moi qui dis, mais si, vas-y, donne-moi. <laughs> tu vas voir, je vais adorer. <laughs> du coup, dans ce spectacle, hier, j'arrête, il euh, y a ce thème qui est pas intéressant, ou même tu as dit une expression qui m'a marqué c'est euh, dans la vie, on doit jouer le jeu de la vie. Oui. C'est quoi le jeu oui. de la vie ben, C'est marrant parce que j'hésitais à le laisser, ça ou pas tu Moi, j'aime bien. Ouais. Euh, bah en fait, euh, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que tu sais, on nous donne. Euh, tu sais, comme un... Enfin, je sais pas, il y a un schéma. Qui a décidé qu'on euh, devait mettre des chaussures Enfin, qui a décidé. <laughs> enfin, L'exemple. Mais... De... Non, mais, tu vois, <laughs> non, mais, tu vois non, mais, a... tout, tout peut être remis en question, en fait. Qui a décidé qu'on devait vivre euh, à deux et avoir euh, des enfants Tu vois, je sais pas, en fait, qui a décidé tout Et en fait, j'étais pas là, moi. Donc, en fait, j'étais pas, pas autour de la table à dire Ah, bah ben oui, je trouve que c'est une super idée. Donc, en fait, à un moment donné, tout, tout peut être remis en question. Et du coup, parfois, j'ai l'impression qu'on nous dit de jouer à ce jeu, Tu d'aller gagner des sous. On te donne un papier, on te dit ça, ça a de la valeur. Ah, d'accord. Alors, ah, d'accord, je vais l'acheter des trucs. Tout, pour moi, parfois, je me dis tout est chez Père, en fait. On est tous des grands malades. En fait, on joue un truc, là, et en fait, on ne sait pas, mais pourquoi on fait ça Souvent, c'est pourquoi on fait ça mais là, ça remet beaucoup, de trop... Ça remet beaucoup de trop de choses en question. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi, tu vois. C'est ce truc de. Il y a, y a un, un mode d'emploi, et moi, je n'ai pas forcément choisi ce mode d'emploi, quoi. Je n'ai pas signé pour ça, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça le jeu de la vie. C'est ce truc où. Tu sais, c'est comme jouer à l'adulte, quoi. On te dit maintenant, tu es un adulte. C'est quoi la différence entre il euh, y a deux ans et maintenant Pour moi, il n'y en a pas. Il euh, y a des trucs que tu peux améliorer de toi, par exemple, en tant qu'adulte, et comprendre que tu es une grosse merde là-dessus, et évoluer là-dessus, tout ça, mais en vrai, euh, la façon que tu as euh, de t'amuser, d'échanger avec les gens, de danser de chanter et tout ça je crois qu'elle évolue pas après huit ans hein. <laughs> c'est ce que je veux dire il y a un truc où moi je reste cette euh, cette personne quoi en fait j'ai l'impression d'être la même personne depuis 14 ans d'ailleurs je mets toujours les mêmes fringues <laughs> mais mais, euh, mais en vrai c'est ouais un adulte je sais même pas ce que c'est qu'un adulte quoi tu vois c'est quelqu'un avec des poils c'est ça <laughs> c'est la, la barbe <laughs> et, euh, et justement parmi ces, ces choix d'adultes, il y a la question euh... D'avoir des enfants, mmh. et toi tu dis que tu veux pas en avoir sur scène Non. Non, écoute, j'en ai voulu, hein. attention, j'en ai voulu. Euh, je, je voulais être maman jeune. comme bah, j'avais commencé ma vie très tôt, tu vois, à 21 ans, moi, déjà j'avais 7 ans de vie euh, toute seule, je t'ai fait tout, tu vois. Donc, ce n'était pas incohérent d'avoir un gamin. Après, j'ai pas rencontré que des mecs hyper stables, donc forcément, ça m'a pas encouragée. Mais euh, du coup, euh, ben non, je pense que je n'ai pas rencontré le bon mec. Et vraiment, euh, j'aurais pu euh, décider de faire avec euh, n'importe lequel d'entre eux. Il y a eu ça. Et après, euh, d'un coup, j'ai commencé à analyser tout ce, qu avait, tout ce que j'allais ne plus pouvoir faire si j'avais des gamins. Déjà que j'en avais un petit aperçu avec les animaux. Euh, du coup, j'ai dit non, 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 non. Flemme. Mais j'admire vraiment tous les gens qui ont des gamins. Waouh! Putain, <laughs> c'est fou, c'est intense, c'est vraiment intense quoi. Moi, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Putain, si j'avais euh, un quelqu'un, non, non. Et tu ressens du jugement justement par rapport à ça, des gens qui comprennent pas ta décision Non, pas, non, non. Enfin, oui, j'ai toujours cette phrase de Tu verras, tu changeras d'avis. Mais Comme je dis dans le spectacle, hein, si je dit que j'aime pas les petites bites, on me dit pas, tu verras, tu changes d'avis. <laughs> ma Mais... Mais non. <laughs> pourquoi juste là-dessus, quoi, tu vois Pourquoi juste si là-dessus, à ton jours, avis J'ai envie de me lever à 7 h du matin, voire 5 h. Euh, J'en chie déjà, quoi. Non, et puis moi, j'ai deux maladies génétiques, tu vois pas, le cadeau. Euh... <laughs> non. Non, non. Mais pourquoi, non. justement, à ton avis, les gens, euh, sur ce sujet-là, te disent. Euh... Bah, tu changeras d'avis, etc. Pourquoi ce sujet-là, les gens ne les laissent pas être libres de prendre la décision qu'ils veulent Je sais pas, parce que c'est toujours ce jeu de la vie. On t'a dit, t'es une femme, tu dois avoir des enfants. C'est comme un mec qui a pas de gamin. On... Enfin, tu vois, euh, à 40 ans, je dis dit, ouais, c'est un... 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 mec qui n'est pas équilibré, il n'a jamais su garder une meuf. Enfin, tu vois, c'est pareil. Vous êtes jugés aussi. Enfin, Tout le monde est jugé si on fait pas le cadre, tu vois. Donc, euh, Non. J'étais pas là le jour où ils ont décidé qu'on devait avoir des gamins. J'ai pas, pas mis le, le petit papier dans l'urne. <laughs> c'est intéressant parce que quand, quand tu montes sur scène, que tu parles aussi bien de tes addictions ou du fait de ne pas vouloir d'enfants, ça se voit que tu es vraiment là à dire en fait je suis comme je suis et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, etc. Même si c'est des thèmes qui parfois créent du jugement chez les gens. Ouais. Oui, parce que moi le jugement de la vie, je l'ai déjà eu. Donc, euh, si tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, tu sais je me sens pas jugée en tant qu'héroïnomane puisque je l'assume complètement. Je suis pas, euh, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas une tare en soi, quoi. Tu vois. Et c'est pas une étiquette. Je suis pas héroïnomane. J'ai été, j'ai, pris cette drogue, quoi. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent les gens. C'est pas, t'es pas un cocaïnomane, t'es pas un alcoolique. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop mettre cette étiquette. Il faut dire juste j'ai pris beaucoup d'alcool, j'ai pris beaucoup de trucs, à un moment donné. Sinon, ça t'enferme aussi toi-même dans un truc. Quoi. Et il y a des gens qui t'envoient des messages pour te dire justement, grâce à toi, j'ai l'impression de ne plus porter une étiquette, grâce à toi, j'ai oui, l'impression oui. qu'il y a une vie après, après les addictions. Ouais. Ça, oui, je l'ai beaucoup. Mais ça, c'est chouette parce que souvent, je te dis, l'entourage ou les gens, de toute façon, te cataloguent à un moment donné. Euh... Là-dedans. Euh, t'es un junkie ou, euh, ou, tu vois. Et donc, du coup, oui, c'est chouette de pouvoir faire oublier ça tout en en parlant. En fait, tu fais oublier le, le truc en en parlant, quoi. Ça, c'est magique. Mais euh, oui, t'es pas, pas un junkie, quoi. Enfin, t'es une personne qui a été junkie. Mais t'es pas, Alors, on est tous un peu, enfin, tu vois, quand t'as des natures addictives, après, euh, tu t'as des addictions sur d'autres trucs. Mais des trucs positifs, quoi. Et c'est quoi, du coup, les solutions, justement, pour euh, se sortir de ces addictions moi, la... euh, Ah Ça, c'est quand même très vague. Hein. Parce que, en fait, je te dis, moi, euh, l'idée de, de... de s'accrocher à un but, euh, vraiment, ça, c'est important. Et euh, je sais pas, chacun ses trucs, quoi. Moi, c'est vraiment euh, euh, le ras-le-bol, quoi. Quand tu as envie vraiment d'autre chose pour ta vie, quoi. Euh, tu pas envie de. Je sais pas comment expliquer, mais euh, moi c'est parce que j'en avais marre. Tu vois, j'aime encore un peu fumer la clope. C'est pour ça que j'arrive pas à arrêter. Mais si demain je peux plus blérer la cigarette, euh, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'arrêter. J'avais plus envie des drogues, moi. Donc euh, du coup c'était pas si dur que ça en soi. Ça a été atroce, mais si tu veux, le la lumière tu la vois au bout du tunnel. Euh, si, si tu décides que t'as plus envie d'avoir euh, ça dans ta vie, il faut le décider, quoi. Après. Euh... Il n'y a pas de technique. C'est vraiment entre toi et toi, quoi. Personne qui peut t'aider à arrêter quoi que ce soit, d'ailleurs. Euh, c'est très dur hein, quand tu as des amis qui essayent d'arrêter. Euh, même moi, je n'ai pas les solutions pour leur dire. Parce que c'est toi et toi. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Donc, euh, il faut juste trouver la petite lumière à l'intérieur qui te donne envie. C'est quoi la vie dont tu rêves, toi, maintenant euh, je sais, voyager beaucoup et rencontrer plein de gens intéressants et passionnants et passionnés et euh, et chanter aussi tu sais que je kiffe chanter putain. je crois que si j'avais dû tu me dis dans une autre vie tu ferais quoi chanteuse je crois mais pas chanteuse Céline Dion quoi que <laughs> non mais faut passer par le registre mais ouais j'adore ça parce que c'est hyper libérateur le chant, ça fait vraiment du bien. Tu chantes toi Sous ma douche. Tu chantes sous ta douche Ouais, je chante au karaoké. Mais je suis un peu timide, moi, pour le karaoké, j'ose pas. Ouais, tu bois Non. Ouais. C'est peut-être ça... <laughs> peut ça qui me rend timide. Ouais, mais faut que tu ailles dans les bams, dans les trucs, tu sais, où tu potes. Il y plusieurs. Oui, dans, dans, dans une boîte, enfin dans une, dans une pièce. Avec des potes et tout, ouais, ça pourrait ouais. être pas mal. En vrai, j'y ai déjà pensé. Alors, bah vas-y. Bah, let's go. Allez. Et toi, sors un album <laughs> Ouais. Oui, ça ben là, mais moi j'adore la musique et là j'ai enregistré une petite voix pour un, un album avec Swift Cat et les Tambours du Bronx, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'était très chouette de le faire et il euh, y a 12 Kawa aussi euh, qui m'a proposé et, euh, et c'est des mecs que j'adore et, et qui font du, de la super musique et donc du coup, euh, bah, rien que ça, moi ça me fait kiffer. Même si c'est genre deux phrases dans un couplet, ça me fait kiffer. Mais tu te verrais pousser ça encore plus loin, genre ah, vraiment faire de la musique, des concerts. Ah, j'aimerais bien. Ouais, ouais. Il n'y a pas ce même truc, tu sais, quand tu chantes, tu sais, es cette espèce de... Ouais wow. <laughs> <de truc. rire> Ouais En stand-up, t'as ce truc quand tu montes sur scène, mais après, t'as pas ce truc du genre, à chaque fois que tu finis une vanne, les gens, ils sont pas là... Wow. <laughs> Donc, il y a ce truc un peu grisant. Et puis même, moi, ça me fait un bien fou de chanter. Après, il faudrait peut-être que je prenne des cours de chant. Parce que vraiment, là, on n'y est pas complètement. <laughs> bientôt, bientôt. Ouais. Et donc, en attendant tout ça, là, sur le, le stand-up, il y a plein de belles dates qui arrivent. Euh, ouais, c'est chouette, il y a les trianons. Et. Euh, 23 février, 19 avril et 31 mai, je crois. Et, euh, et puis, il y, y, a, y a même une tournée en Asie. Incroyable. <laughs> ouais. Essaye de chanter là-bas. Bien sûr, je vais chanter. Mais tu sais que comme j'ai été beaucoup en karaoké, okay, à chaque fois qu'il y avait des Asiates, et eh ben ils me prenaient en vidéo parce que les Asiates en général ont une voix très aiguë. Et, euh, et moi j'ai une voix, bah la voix je sais. Et donc du coup, as tous les tous les tous les mecs, toutes les nanas et tout qui étaient là avec leur téléphone, et tout qui me prenaient en photo, ils m'offraient des roses et tout parce qu'ils étaient là. Oh, putain, ça oui. Donc je pense qu'il y a des vidéos de moi qui <laughs> doivent circuler à Shanghai <laughs> ou à Hong Kong. Euh, vraiment, euh, ouais. Bien sûr, que mais je vais faire tous les karaokés possibles là-bas. Merci beaucoup, Doulis. Merci beaucoup. Pareil, partagé. Est-ce que tu aurais un, un mot à me donner que les gens doivent mettre en commentaire pour prouver qu'ils ont vu cette interview jusqu'à la fin Ah oui, c'est vrai. Putain, je sais pas, chérie. Attends. Putain, il faudrait un truc un, un peu qui a rien à voir, en fait. Parce que sinon, euh... ben, arrosoir. Arrosoir. Voilà. Vraiment rien à voir. Rien à voir. <laughs> Arrosoir en commentaire pour les gens qui ont vu <laughs> l'interview jusqu'à la fin, merci infiniment Dolly. Merci, merci au Pros qui nous a accueillis. <laughs> à plus.